Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour cette petite vidéo unboxing. Aujourd'hui nous avons plusieurs points à aborder. Alors dans un premier temps, comme vous avez été nombreux à me le demander, nous allons revenir sur la tablette de chez Banggood. Et c'est pas ouf de chez ouf, mais nous allons néanmoins essayer de corriger un gros défaut sur la tablette avec quelques petits produits OK. Qui dit OK dit concours, tout se passe dans la description, c'est sur Twitter. Et dans un troisième et dernier point, nous allons ouvrir la nouvelle Woodbox du mois de septembre. Elle est arrivée. Allez, on va commencer par la tablette. Disons que je vais être clair maintenant, elle est certes toute neuve, mais elle est moins réactive que ma vieille tablette d'il y a 5 ans. Que ce soit d'ailleurs au démarrage ou de la navigation internet, c'est pareil. Après, un des plus gros défauts de cette tablette, je dirais que c'est le son. Franchement, il est propre, nickel, mais il est vraiment pas fort. Je veux dire, si vous voulez regarder une vidéo ou écouter de la musique avec des potes ou quoi, va falloir retenir son souffle. Hein. Alors pour de la navigation internet, faire un peu de bureautique et tout, ça va aller tranquille. Par contre, faut pas y en demander trop quand même, ça c'est clair. Bon, moi perso, pour l'utilisation que j'en ai, ça me va très bien. Je regarde des petites vidéos sur YouTube, je vais sur les réseaux sociaux et tout, c'est nickel. Alors pour corriger le son, justement, nous avons reçu une petite enceinte de chez OK. C'est exactement pour cette tablette que je l'ai commandée. Alors on va la tester, on va la brancher sur la tablette et on va voir un petit peu ce qu'il en est de cette petite enceinte. Wireless speaker. Ah bah ça c'est cool. C'est une petite enceinte Bluetooth et tout. On va déballer ça ensemble les gens. Voilà. Alors c'est vraiment tout petit, mais franchement ça a l'air d'être pas mal. Wow, c'est super classe. Voilà. Elle est toute petite comme ça. C'est une petite enceinte Bluetooth. On va pouvoir bien entendu brancher avec une petite prise jack. Donc ça c'est cool. Et on peut mettre une carte SD carrément. On peut directement mettre une carte SD et écouter de la musique comme ça dedans. On a une mini prise USB juste sur le côté, donc ça c'est cool. On a les boutons du volume sur le côté, on a un bouton lecture ici et on a un bouton on off. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer la tablette et on va tout de suite tester cette enceinte. Alors n'oubliez pas bien sûr qu'il y a un jeu concours pour gagner tous les objets OK que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ça se passe sur Twitter, le lien est dans la description. On a un mini fil USB-C et on a une petite prise jack, donc ça c'est cool. Alors voilà ce que ça donne sans l'enceinte. Et voilà ce que ça donne avec l'enceinte. Eh hey, franchement, elle pète, hein. Ça va, ça déchire. Ah, j'ai pas vu, mais il y avait un mode. C'est quoi ça, mode? En plus, ça fait Ghostbust. C'est cool. Deuxième produit OK à gagner, un petit hub USB 3.0 avec 7 sorties. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, il est pas dans la boîte, il est déjà branché, il est déjà sur mon bureau, mais honnêtement, je me suis tellement cassé les couilles à brancher les câbles et tout, à les faire passer, que là, j'ai pas envie de le débrancher. C'est un hub USB 3.0, tout ce qu'il y a de plus banal. Je vous mettrai une petite photo, ça fait plaisir. Alors, troisième produit OK à gagner, un petit clavier. Et franchement, c'est cool. On va éviter de s'en servir en vidéo. Quatrième produit OK à gagner. Et cette fois-ci, c'est un casque USB avec son 7.1 micro intégré. Donc ça, c'est cool. On va tout de suite l'ouvrir ensemble. Ah bah mon vieux, c'est pas vrai ça. Putain mon vieux. Ah bah je peux te dire que ils ont pas fait semblant pour l'emballer, hein. J'ai bien failli jamais le déballer. Petit casque de chez OK. Franchement, il est stylé. Moi j'aime bien, ça va. Petit casque, on va tester ça. Ah, il est un peu isolant quand même, hein. Moi j'aime pas spécialement trop les casques isolants. Je préfère les casques où j'entends bien ce qui se passe autour de moi. Putain mon vieux. Ah ouais, il est... laisse tomber mon vieux, c'est un casque d'astronaute le bordel. Il est énorme. On a bien entendu une petite molette ici avec un bouton lecture, un bouton pour muter le micro, un bouton... ça doit être le truc 7.1 ça. Et le bouton du volume, plus et moins. J'aime bien cette musique. Stop. Coupé. Oh putain mon vieux, et il pète, hein. Et je crois bien qu'il pète plus que le clim mon vieux. Fais voir que je teste le clim. Ah bah direct mon vieux, direct. Cache. Bon, en même temps, celui-là, il me semble qu'il vaut un peu plus cher que le clim. En plus, il est stylé, regardez ça, il y a des trucs qui s'allument sur le côté, là. Des espèces de néons. Le petit micro et tout qui va bien, donc c'est nickel. Et franchement, GG, le casque OK, il déchire, hein. C'est OK. Alors, bien entendu, je le rappelle, mais n'hésitez pas à aller dans la description, il y a un concours. Alors, pour participer, c'est très simple, il faut être abonné à la chaîne, un petit like sur la vidéo, un petit commentaire, et vous avez un petit lien dans la description. Dernier objet, dernier unboxing de cette vidéo, nous avons cette fois-ci, mesdames et messieurs, la dernière Woodbox du mois de septembre. On va la déballer, tranquillement. Alors, oh putain mon vieux, bah s'il y a tout qui se casse la gueule déjà. Alors. D'accord, d'accord, sympa. Eh ben, écoutez, nous avons une petite figurine Stranger Things. Donc, voilà, plutôt sympatoche. Elle est vraiment pas mal, la petite figurine pop et tout. Ça fait encore une dans ma collection. Ça, j'aime bien. Nous avons ici... qu'est-ce que c'est que ça, mon vieux? The Dark Knight. Batman The Dark Knight.
Je crois que c'est un thème sur les clowns tueurs, mon vieux. Je te jure. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un drapeau ou quoi? Arrête. Jure, c'est un tablier pour faire la cuisine. Et ben voilà, c'est un tablier avec la tenue du Joker. Donc c'est plutôt cool. Voilà, si j'essaye ça. Voilà. C'est plutôt sympatoche. Hey, bon écoutez, on va le garder sur nous tranquillement. Voilà, le petit tablier, la petite figurine pop, le petit pins avec le tueur de sceaux. Franchement, yes, GG, regardez ça. Nous avons, mesdames et messieurs, une petite plaque avec le clown de ça. Warning, made clown. Donc franchement, ça va, ça déchire. Et franchement, je vais peut-être la mettre dans le décor. En tout cas, il est franchement bien fait, hein. Il fout bien les boules, quoi. Et nous avons bien entendu un t-shirt Simpson. Arrête tes conneries, jure. Sérieux? Ah ouais, il déchire. C'est les Simpsons en mode fantôme. Alors bien entendu, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque dans les commentaires, parce que j'avais dit que maintenant, toutes les boîtes avaient le même thème qui se ressemblait, mais j'avais pas fait gaffe qu'en fait, les boîtes étaient réversibles. Donc en fait, maintenant, s'ils font ça, je pense que c'est pour pas spoiler le thème de la boîte. On va tenter de la retourner sans la casser. Ça va être une prouesse technique, mon vieux, je te le dis. Comme ceci. Ah ouais, regardez ça, mon vieux. La boîte, c'est un Transformers, quoi. Impeccable. Putain, mon vieux, comment j'ai galéré. En tout cas, elle est bien stylée. La boîte The Stranger Things Netflix et tout, ça déchire. Ouais, franchement, elle est bien. Je connais pas cette série, moi, The Stranger Things. Est-ce que vous connaissez la série? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je connais pas du tout, franchement. Bon, en tout cas, c'est bien cool. Bon, sur ce, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo unboxing. N'oubliez pas le concours dans la description. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde! Au revoir!